vu que l'oncle Sam était bien occupé à faire la guerre et que le lingot n'était pas très gros, on s'est dit qu'on pouvait le surveiller pour lui, en le partageant en quatre. Mais ce petit arrangement n'était pas du goût de tout le monde. Bon, tu pourras peut-être pas te payer un camion tout de suite, mais tu peux commencer par l'allume-cigare et puis tu construis autour. Ferme ta gueule, Sweetwater! Wow! On va à Zabograd alors? C'est sympa là-bas? C'est à 20 bornes derrière les lignes ennemies. C'est un grand port. L'armée a décidé de lancer une offensive, et c'est nous qui allons ouvrir le bal. Attendez, ils ont pas des mecs exprès pour ça? Si, mais ça change rien. Ces gars sont fragiles, attention. Ouais, ça se tient. Mais vous deviez pas rentrer au bercail, sergent? Demain, garde. Plus qu'un jour de merdier, et après ça, c'est contre les espadons que je bataillerai. Ça, c'est la belle vie. Ouais, vive les Caraïbes! Ouais, mais après Zabograd. Zabograd, nous voilà! Je vous laisse débiquer. Allez, bonne chasse. Hey, Sweet. C'est pas le même truc bizarre qu'il y avait sur le Maccabé? Acta non verba. Ouais, t'as raison. Allons voir ça. C'est peut-être un piège. Tiens, le bleu, jette un coup d'œil. C'était juste là comme ça. Je n'avais plus. On met les bouts. Il y a du Ruskov dans les parages. Ils nous ont pas vus. De toute façon, même s'ils nous voient, il y aura personne pour nous pleurer. Alors, никогда не поймешь, на чьей стороне. Ok les gars, regroupez-vous.
Bravo One Charlie, ici Mike One Juliet, à vous. Ici Bravo One Charlie, à vous. Vous avez le feu vert pour l'objectif enclave, terminé. Bon, les gars, on a une division blindée qui arrive. Notre boulot, c'est de couper les lignes de ravitaillement des Russes avant qu'ils débarquent. Voilà ce qu'on va faire. On commence par l'arsenal. Quand la zone est sûre, rassemblement et direction le dépôt de carburant. Sergent, ce serait pas mieux dans l'autre sens? Ou alors, on fait deux groupes et on s'en occupe en même temps? Ah oui, c'est assez finaud ça, hein. Je peux aussi vous buter tous les deux et faire ça avec Marlo. Non, ça ira, on va faire comme vous dites. C'est vous le chef. En plein dedans. Vous me couvrez, les gars. À terre. Ça sent l'or. John Lennon, j'ai vu des Russes. Pas loin d'ici. L'arsenal est HS, bien joué. Salut,
Dépôt de carburant et HS. On se regroupe! T'arrêtes pas, Preston! Merde, ça cible! Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliet. Il y a un détachement russe qui approche du pont. C'est votre cible prioritaire. Ne les laissez pas s'emparer du pont. À vous. Mike, One, Juliette, on n'est quand même pas nombreux, là. Un appui aérien serait pas de refus. À vous. Bravo, One Charlie. Négatif, pas d'appui. Je n'ai rien pour vous en ce moment. Vous pouvez faire face à la situation. À vous. Ouais, on peut. Terminé. Oh non, con. Sergent, ce machin là-bas, je crois que c'est un système de guidage de mortier russe. Intéressant. On peut peut-être s'en servir contre eux. Putain de bonne idée, sergent. Putain de bonne idée. Bon, qu'est-ce que tu sais d'autre sur ce légionnaire? Signal Juliet, Vos. Je connais même pas son vrai nom. Ça, c'est flippant. Ça pourrait être n'importe qui, même le sergent. Ah, ferme-la, tu veux? C'est peut-être son surnom, ferme-la. Maintenant, on sait qui c'est. C'est le sergent. On t'a démasqué, légionnaire. Non verba.
Non-verbal, non-action. Un jeune, hein, sergent. Une sérieuse bombe bouchoir. Ça va? Continue comme ça, Preston! Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. Bonne nouvelle, les gars. L'assaut de Zabograd a commencé. Rendez-vous à l'entrée de la ville et attendez les ordres. Terminé. Vous avez entendu? On bouge. Moi, ça me va. On passe devant et comme ça, on trouvera peut-être de l'or. On n'est pas là pour ça. Si tu veux faire de la voile aux Bahamas, va falloir te payer un voilier, pas vrai? Regardez! Une voiture blindée! Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. Les Russes sont moins amochés qu'on croyait. Il va falloir que vous détruisiez leur poste de défense. Nom de code, objectif hors jeu. Terminé. Elle fait la gueule, on dirait. Je l'ai trouvée un peu froide, c'est pas bon ça. T'as dû lui dire un truc pas net. Moi? Mais je lui ai jamais parlé. Écoutez-moi, l'objectif hors jeu, c'est un plan de secours. En clair, nos chars sont dans la merde. Faut détruire ces canons, fissa, et pas d'écart cette fois. Come on!
rechargé. Oh merde! Une mitrailleuse!
Merde! Sbrousse! Ils en ont partout, les salauds! Attention, ça mitraille! Je crois qu'il n'y en a plus. Putain, ce bled va avoir besoin d'un ravalement de façade. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. À vous. Ici Bravo, One Charlie. À vous. Vous nous avez encore sauvé la mise. C'était un peu chaud ici. À vous. Ouais, bah, c'est bien chaud ici aussi. Je sais, Sweetwater, je sais. Vous faites du bon boulot. À vous. Attends, elle connaît mon nom. Votre attention, s'il vous plaît. Vous avez ordre de rejoindre la division blindée sur la tête de pont. Terminé. Cap sur la tête de pont. On est parti. Elle connaît mon nom, Haggard. Elle connaît mon nom. Je repense à ton histoire de mi-juillet. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est sexy? Tu sais, j'ai une cousine qui a une voix super sexy, mais si tu voyais sa gueule... C'est avec elle que tu fricotais? Bah ouais. Cool. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. On leur a quand même bien mâché le boulot à ces feignasses. Pourquoi c'est eux qui ont les plus beaux joujoux? Regardez-moi ces guignols avec leur sourire super dents blanches. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. Vous avez ordre de rejoindre la 32e pour l'assaut final sur Zabograd. À vous. Sûr? Parce que là, on ferait bien une petite pause. À vous. Elle va devoir attendre. On manque d'hommes et le commandement veut mettre le paquet sur cette ville. Et vous faites partie du paquet. À vous. Bien reçu. Terminé. Absolument que ces chars aillent à l'est de Zabograd, sans quoi l'attaque échouera. Les lâchez pas et ouvrez l'œil. Les autres, vous croyez qu'on avait tué tout le monde?
Fumez-les! Tireur à la fenêtre! Blindé léger, droit devant! On a paumé un des chars. Faites gaffe, faut sauver. Peur du gros cher qui est juste derrière toi, par contre. Tout le monde se regroupe.
Ok, c'est tout bon. Bon boulot, les gars. Ils sont passés. Bravo, One Charlie. Ici Mike, One Juliette. À vous. Mike, One Juliette. Ici Bravo, One Charlie. À vous. Vous allez bientôt pouvoir souffler. Mais j'ai encore besoin de vous, les gars. À vous. Ça alors, quelle surprise. À vous. Il faut trouver le poste de commandement de Zabograd et couper ses transmissions avant qu'il appelle des renforts. Si vous faites ça bien, je pourrais peut-être tous vous transférer vers une autre compagnie. À vous. Si c'est notre passeport pour la quille, on prend. Pas vrai, sergent? Mike, One Juliette, on va voir ça de plus près. Terminé. Allez, on bouge. Celui-là, je me le fais. Je reviens que les Russes arrivent. Regroupez-vous! Bravo, One Charlie, ici Mike, One Juliette. Trop tard, sergent. Ils ont lancé un appel. Leur renfort arrive. À vous. On a fait aussi vite qu'on a pu. À vous. Vous ne rentrez au pays que demain, sergent. Ce n'est pas le moment d'avoir une baisse de régime. Il faut absolument... Qu'est-ce qui se passe? Bravo, One Charlie, changement de priorité. On a un char HS dans le square de la ville. Trouvez-vous une bonne position de défense et protégez-le jusqu'à ce que nos sapeurs le sortent de là. Reçu, sergent. À vous. Reçu. Vous savez pas ce qu'il nous réserve, par hasard? À vous. Aucune idée, mais vous le saurez bientôt. Terminé. Ça marche. Terminé.
Vous avez entendu? Direction le square. Faut garder un œil sur le char. Le voilà, derrière la fontaine! Il est en rade complet, sergent! Ah, ça c'est le problème du génie. Nous, on se contente de défendre les attendants. Point barre. Le bâtiment là-bas a pas l'air mal pour défendre. Oh putain, content de vous voir, les mecs! Je me suis foutu dans un téléphone! Je m'en prie! Vous auriez pas des cartes de démarrage sur vous, non? Les sérieux, c'est bon, le bonsoir! Bon, toi! Transformio! Il n'y a pas rien que ça! Puis, toi, Adin! Sigma, priet! Zbros! Ok, j'y vais! Les sérieux, c'est bon, le bonsoir! Bon, toi! Bref, connard! Bonsoir! Sans roquette! Descendez-les avant qu'ils allument le char! Sigma, priet! Zbros! Je vais bien couvert! Les sérieux, c'est bon, le bonsoir! Attention ou lance-roquette! À terre! Transformio! Il est arrivé de ça! Il va à Dim! Sigma, priet! Zbros! Il n'attire pas! Lance-roquette! Descendez-les avant qu'ils allument le char! Есть бомба пошла! Вот вам! Вас понял! Приготовиться! Три, два, один! Сигнал принят! Сброс! Прицел есть! Бомба пошла! Вот вам! Понял! Приготовиться! Три, два, один! Ставь на медаль! Окей, y'en a plus! Y'en a plus! Elle est où cette putain d'armée? Вас понял! Приготовиться! Три, два, один! Прицел есть! Бомба пошла! Вот вам! Explosez votre petit blindé là! Signal prêt! Zbros! Protégez-moi! Protégez-moi! Je mens! Merde! Putain, que ça se déraille, va pas tenir longtemps! Le char crame! Quel... Je crois qu'on envoie le bout.
Tout le monde se regroupe. Voilà nos gars, c'est pas trop tôt. Ouais. Mais le monde se souviendra qu'on n'était qu'une petite poignée et... Bravo One Charlie, ici Mike One Juliette. L'ennemi est en train de vider une grosse cage d'armes. C'est le moment de porter le coup de grâce. Direction le port. Et faites ça bien pour une fois. Terminé. Le port? Vous croyez qu'il y a des mercenaires là-bas? Pourquoi? Tu crois qu'ils ont de l'or? Ben ouais. Allons-y. Voilà. On se tape tout le sale boulot et personne nous remercie jamais. On a pratiquement pris cette ville tout seul et... Écoute, je crois bien que Miss Juillet a dit un truc sur toi, comme quoi tu pourrais quitter la compagnie. La route est foutue. On est bon pour une petite marche. Y'a qu'à grimper là-haut, on y verra plus clair. Détale tous comme des lapins. On a réussi. Vous croyez qu'on va être transféré? J'en sais rien, mais vous le méritez. Un peu, ouais. Hé, regardez ça. Près des camions. C'est des mercenaires, non? Ça y ressemble. On devrait peut-être les arrêter, non? Ou leur poser des questions? Ou même les fouiller? Les ordres disent de sécuriser la zone, donc je crois que... Hein? Attends une minute! Je croyais qu'il fallait pas prendre de risques, qu'on devait y aller pépère. Ces mecs sont peut-être dangereux et puis tu rentres au bercail demain, t'as oublié? Il y en a pour une minute. Allez, Hagard, on peut retourner voir les autres maintenant? Que dalle! Pas même un pins!
Où ils vont comme ça?